C'est sur des airs de musique traditionnelle qu'Imbagad a accueilli les festivaliers à l'entrée du site Motocultor 2023. Après un déménagement de Saint-Nolf vers Carhaix, les organisateurs du festival ont fait un clin d'œil au centre breton, ayant conscience d'arriver dans un territoire proche de ses racines et fier de sa culture. Salut, ça va ? Plus de 54 000 visiteurs ont foulé le site de Kerempuil cette année. 110 groupes se sont produits sur 4 scènes. Pour la première fois, le Motocultor s'est déroulé à Carhaix et a annoncé son intention de s'y implanter pour les futures éditions. Habitués des vieilles charrues, les habitants ont fait bon accueil à ce nouveau public. Le maire de Carhaix, on l'aime. Pogo, slam, circle pit ou wall of death, il y avait de l'animation devant les scènes. L'événement est resté à taille humaine. Malgré ce record de fréquentation, le festival a su garder l'ambiance qui a fait son succès au long des années. Métal, il monte ses fesses. Alors moi je suis venu voir essentiellement Ludwig von 88 et aussi The Exploited. Sinon le reste de la prog je la connais pas spécialement. Je suis avec les copains, ils sont là, ils me regardent, donc c'est trop cool. Il y a de la bière, il y a du merch, il y a du métal, il y a tout ce qu'il faut. Connus pour leur bienveillance, les métalleux sont des passionnés de musique, dotés d'un second degré prononcé, d'un goût du subversif non dissimulé. Pas d'inquiétude, l'église de Carhaix est toujours debout. J'avoue avoir eu un doute sur le fait que le Motocultor se passe à Carhaix. J'avais peur qu'il perde un peu de son prestige. Et je suis plutôt agréablement surpris quand même. Franchement, pas mal. Quoi. Si les gens veulent s'initier au métal, faut aller dans les petits fests en fait, vraiment les petites structures. Mais c'est là qu'on goûte au métal en fait, sur les petites structures, les petits trucs où il y a des mecs qui se font chier un peu, qui savent que bah voilà, on n'est pas nombreux à écouter ça, à suivre ça. On a l'occasion de voir des grosses têtes d'affiches. Ça c'est super cool, mais faut pas oublier derrière qu'il y a de l'underground aussi. Et c'est le vrai goût du métal quoi. Et c'est important de voir ça pour avoir une vraie photographie de ce que c'est le métal quoi. De Kerempuil les grands et l'équipe d'organisation du Motocultor aura besoin de temps pour prendre ses marques et exploiter tout le potentiel de ce lieu. Lors de la conférence de presse, Christian Troadec, le maire de Carhaix, a rappelé son soutien au Motocultor pour les futures éditions. Et puis vive la Bretagne et vive le Motoc à Carhaix et puis vive Troadec, le maire de Carhaix.